Madame Siffre, d'avoir pensé à la musique de la Légion étrangère pour animer cette soirée du 20 juillet. Soyez-en remerciés, et je voudrais déjà remercier toute l'équipe qui nous a accueillis depuis notre arrivée tout à l'heure. C'est soit ceux qui s'occupent du son, de la lumière, Boris, tous ceux qui nous ont accueillis, afin de passer une bonne soirée. Merci à vous d'être venus si nombreux. Nous venons d'ouvrir ce concert par la marche de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qu'on appelle aussi cette marche nos képis blancs. C'est une marche emblématique du répertoire de la Légion étrangère. Vous n'allez pas avoir que de la musique militaire de la Légion étrangère toute la soirée, sinon vous trouveriez le temps un petit peu long. Cependant, vous en aurez quand même la preuve. Nous allons poursuivre avec un chant Légion que nous allons vous interpréter. Le chant à la Légion étrangère est quelque chose d'important. C'est un moyen de se ressouder dans les veillées, quand les légionnaires sont sur le terrain, autour du feu, ils chantent. Quand ils se déplacent en compagnie, quand il n'y a pas de musique, on défile, on se déplace en chantant. Et à la Légion étrangère, c'est un excellent moyen d'apprendre le français pour les étrangers, majoritairement étrangers qui servent à la Légion étrangère. Certains, mais non, il y en a qui sourient, mais beaucoup, quand on interroge des jeunes, ils pensent qu'ils ne peuvent pas venir à la Légion étrangère parce qu'ils sont français. C'est faux. Tout le monde peut venir. Il faut avoir 40 ans. Donc s'il y a des vocations tardives, on se voit après. Nous allons vous interpréter un chant qui s'appelle le Fanion de la Légion. Du nom de la casa, du nom de la le city bella messo sable brûle de mes caisses, la grenade au képi, sans peur et sans répit, lorsque l'un de nous meurt, nous reprenons avec faveur. Descendions les Champs-Élysées à Paris. Il n'y a qu'une musique de la Légion étrangère au monde. Ben c'est celle qui est devant vous ce soir à Saint-Raphaël, c'est celle-là quand même. Alors ça. Donc, comme c'est une musique militaire, elle joue des marches militaires, puisqu'on a commencé par une marche militaire. Nous allons poursuivre en mettant en évidence le pupitre des tambours de la musique de la Légion étrangère. Ils vont vous interpréter deux morceaux. Le premier d'un style un petit peu plus moderne, le deuxième ce sera un grand classique puisqu'il s'agira de ce qu'on appelle le duel des escrimeurs, extrait du répertoire des Rigaudons d'honneur du répertoire de Napoléon. Voici donc le pupitre de tambour de la musique de la Légion étrangère.
plaisir aux grognards lors des bivouacs. Donc, le tambour étant une pratique française, je vais vous présenter le pupitre de tambour. En commençant par, sur votre droite, ce qu'on appelle le côté court, le caporal-chef Patar Suren, qui nous est venu de Mongolie. À côté de lui, le caporal-chef Simko, qui lui est venu de Hongrie. Au centre, le caporal Patar Suren, frère, petit frère, de celui qui est le premier à gauche là-bas. À côté, le caporal-chef Song, qui lui est venu de Corée du Sud. Et enfin, à l'extrême, côté jardin, le première classe Pandey, qui lui est venu du Népal. Sans oublier le gros caissiste qui est intervenu dans le premier morceau, le caporal Deng, qui lui est chinois. En résumé, il ne suffit pas d'être français ou suisse pour bien jouer du tambour, il suffit de travailler, d'être motivé, comme ils le sont tous à la musique de la Légion étrangère. Bravo. Toutes les communes, il y avait des batteries fanfares. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie fanfare? C'est un ensemble musical qui est composé d'instruments d'ordonnance, clairon, trompette de cavalerie, cor mi bémol et percussion. Donc Jacques de Vogel s'est dit, on va mettre en valeur justement ces instruments d'ordonnance et puis on va y associer l'orchestre d'harmonie, puisque les deux mélangent, instruments d'ordonnance et instruments d'orchestre d'harmonie s'associent très bien. En voici la preuve dans une composition basée sur une chanson populaire française, Trois jeunes tambours. Non. Ah si. Ça vous rappellera votre jeunesse, parce qu'on n'enseigne plus trois jeunes tambours dans les écoles maintenant, c'est obsolète. C'est plus ça maintenant, c'est Ziva, Wazeva. C'est trois jeunes tambours. Thank you.
cours avait certes la partie technique et très très difficile des origines espagnoles. Oui. Ah, oui. La Rodana. Oui, gracias. Ah, c'est pas moi qui vais faire ça, j'ai un adjoint qui fait ça beaucoup mieux que moi. Le capitaine Vladimir Kourda va prendre la direction de la musique et va vous interpréter la Rodana. Vous pourrez frapper dans les mains, ça vous réchauffera. Ce que j'ai mal dit. Non, quand il faut frapper dans le mien pendant le morceau, c'est un petit peu. Mais c'est normal, vous étiez à peine réveillé, vous reveniez de la plage. La soirée n'est pas finie. D'ailleurs, on ne sait pas à quelle heure ça va finir. Vous verrez bien. On va poursuivre en restant un petit peu dans cette ambiance hispanique, mais on va traverser l'Atlantique et on va se rendre un petit peu au Mexique, terre ô combien chère à la Légion étrangère et à son histoire avec le fameux combat de Cameroun.
qui est le signe emblématique de l'existence de la Légion étrangère et de cette vocation, le respect de la parole donnée. Voici donc extrait d'un western qui s'appelle toujours Rio Bravo. Ah ah ! Dégoyo ! Ça fait moins rire. Dégoyo, c'est coupé cabèche. Bon, ben vous allez voir. C'est Dimitri Tiomkin qui a écrit cette musique pour le film Rio Bravo. Et vous allez avoir le plaisir d'entendre la trompette solo, l'adjudant-chef Yuri Vassiliev. Remarquable trompettiste. Applaudissements pour la Légion étrangère. Restons dans la musique de film, la musique de western avec Ennio Morricone. Alors là, il y a des tubes. Bah oui. Il y en a. Vous pourrez chanter. Excusez-moi, j'ai pris l'accent qui convenait. C'est à Marseille, ils disaient chanter. Mais peut-être pas à Saint-Raphaël. Est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous mangez ? Ça reste entre nous, hein, on va pas avoir des ennuis. Voici donc des extraits, un pot pourri, des portraits de musique de film d'Ennio Morricone.
Thank you.
régiment étranger était basé à Sidi Bel Abbès. Ça fait 60 ans, cette année, qu'il a déménagé pour venir s'installer à Aubagne, où c'est l'état-major de la Légion étrangère. Le général qui commande la Légion étrangère est à Aubagne, donc il a son état-major avec ses divisions pour la sécurité, pour les ressources humaines, pour le rayonnement, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et en face, il y a un régiment, le premier régiment étranger, qui est le régiment soutien des divisions du général. Évidemment, la musique de la Légion étrangère, c'est l'outil de rayonnement par excellence de la Légion étrangère. Où qu'on aille, on voit la musique de la Légion étrangère, mais on voit toute la Légion étrangère. Voici donc Anne-Marie pour vous, les Anne-Marie, pour vous les Marie IE, les Marie IS, enfin pour vous toutes et vous tous, Anne-Marie. J'aurais dû commencer par là, ça aurait été plus court. Thank you.
ben vous devriez être flatté quand même. Frankie Ogorodnik Sinatra. C'est son nom de scène. Le Big Bazar. C'est pas le gros bordel, hein, c'était... Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, le Big Bazar ? Michel Fugain. Ben, on est entre nous, hein, donc une belle histoire, comme ce soir. Et c'est parti, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Chantez, hein ! Thank you.
que ça sorte d'ici. Régiment étranger qui est basé à Castelnaudary, à côté de Toulouse. Et ça, souvent vous voyez des émissions à la télé, au 4e régiment étranger, c'est le régiment dans lequel on forme et on moule les légionnaires. Donc quand ils partent d'Aubagne, en bus, ils arrivent à Castelnaudary, là, ils partent ce qu'on appelle en ferme. Ils vont dans une ferme isolée, coupée complètement du monde qu'ils ont connu avant, et pendant un mois, ils sont à la dure. Voilà, donc ça c'est la formation, donc il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de machin, c'est l'apprentissage de la vie en collectivité et puis les règles de la Légion étrangère. Au bout du deuxième mois, il y a le fameux raid au képi blanc. À la fin de ce raid, qui est quand même costaud, le légionnaire qui a réussi est digne de porter le képi blanc. Il reste encore deux autres mois de formation, et une fois que ces quatre mois de formation sont effectués, tous les candidats reviennent à Aubagne, et là ils sont ventilés dans les régiments qu'ils ont choisis ou dans lesquels la Légion décide de les envoyer. Et là, je retrouve les musiciens qui vont venir grossir les rangs de la formation. Notre emploi du temps, c'est 80% du temps de la musique, c'est de faire de la musique. La preuve, on est là, chez vous, sauf au mois de janvier-février, où la saison ne se prête pas forcément aux prestations musicales extérieures, où il y a moins de concerts. Et surtout, ces légionnaires, ces soldats, ont besoin de maintenir leur savoir-faire. Savoir tirer, retourner sur le terrain, participer aux missions sentinelles. Ils sont légionnaires au même titre que leurs camarades qui sont dans les régiments de combat. Il n'y a pas le même travail, mais ils sont légionnaires. Et c'est important pour eux d'être confrontés à cette réalité du terrain. Ils peuvent être amenés à aller renforcer des unités. Actuellement, j'en ai quelques-uns qui sont au 3e RUI à Kourou ou à Mayotte. Voilà, donc les musiciens peuvent partir comme ça. D'où viennent-ils? Alors, un peu partout du monde entier. La musique de la Légion étrangère, théoriquement, c'est 63 musiciens. Actuellement, nous sommes 60, mais il y a toujours un blessé, un muté, un malade, un truc comme ça. Voilà.
Donc tout ce qui est valide, solide, est là devant vous ce soir. Ça, c'est une certitude. Et ils sont plutôt en bonne santé. Ils vont bien. Alors, d'où viennent-ils? Eh bien, écoutez, je vais commencer parce que j'ai un petit moyen. Je vais commencer par le continent sud-américain. Avec, ben tiens, je ne vais pas l'oublier ce soir, venu du Pérou. Ah, le légionnaire Varas. Un pays voisin, la Colombie. Le caporal Chacon. Et vous avez, qui vous, alors j'en profite parce que vous avez un stand de vente de CD, de musique de la Légion étrangère, de produits de la Légion étrangère. J'ouvre la parenthèse, je la fermerai rapidement. Les bénéfices de ces ventes vont à l'institution des Invalides de la Légion étrangère. C'est une institution qui est située au pied de la Sainte-Victoire, à l'opposé de Aix-en-Provence. C'est un domaine de 40 hectares où la Légion étrangère accueille les anciens. Quelqu'un qui a fait 5 ans de Légion, puisque c'est le premier contrat, si dans le cours de sa vie, 15, 20 ans, 30, 40 ans après, il se retrouve dans la dèche, dans la rue, plus rien, la Légion n'abandonne jamais ni ses morts ni ses blessés. Donc, il vient à Puy-Loubier où il a les soins, le gîte et le couvert gracieusement. Et il n'y a pas de subside de l'État. Cette institution est uniquement financée par les dons, par les legs. Donc tous les bénéfices qui sont faits sur la vente de ces produits sont redistribués au profit de cette institution des Invalides de la Légion étrangère. Parenthèse fermée. Qui ça? Ah ben oui, oui. Alors les deux qui sont à la vente là-bas, donc il y a le légionnaire, il y a un autre da Silva, et portez-la. Voilà. Là-bas parce qu'ils viennent d'arriver, donc le temps qu'ils apprennent le répertoire au clairon ou au tambour, c'est pas évident. Vous avez vu qu'il faut apprendre tout ça. Je sais qui va partir en fin de contrat, je ne sais pas si à l'arrivée je retrouverai le même profil instrumental, qualité, voilà. Donc c'est le mystère, mais Saint-Antoine, patron, Saint-Antoine du désert, patron de la Légion, veille sur nous. Et on a toujours des bons musiciens. Bien, je parle trop. Alors, passons sur le continent africain. Venu du Cameroun, le chef Epassou. Caporal Bagui Junior, le sonoronise de la musique de la Légion étrangère. J'en ai oublié un? J'en ai pas oublié un. Cholin? Ah oui, mais Cholin, il... Mais non, Cholin, il est haïtien, c'est pas le Brésil, c'est pas le Cameroun non plus. Bon, il est de Haïti, et c'est normalement lui le porteur du chapeau chinois. Je vais pas vous expliquer le chapeau chinois parce qu'on y sera encore demain matin. Bon, je continue, j'accélère. Venu du continent asiatique, venu du Népal, je vous l'ai présenté tout à l'heure, le premier tas Panda. Oulan Bator, la Mongolie, les frères Batar-sur-Aisne. Et le caporal Altan Tsetseg. Vous êtes présenté venu de Chine, le caporal Deng. Et à côté de lui, au cymbale, le caporal Jin. Et à la clarinette, le caporal Li. Vas-y, refais-le. Vas-y. Attendez, ça s'écrit L-I, c'est pas Bruce Lee.